Je suis avec Bertrand, on va vous parler très rapidement derrière ce titre racoleur exactement de comment on gère à Doctolib notre workflow de développement avec 50 développeurs. Aujourd'hui, Doctolib, Alex vous a présenté un peu plus produit, ce qu'on avait, quelques chiffres plus produits tech. Aujourd'hui, Doctolib, c'est un gros monolithe Rails, Ruby Rails avec un peu de React pour tout ce qui est front. On a environ 120 000 lignes applicatives. En plus de ces 120 000 lignes, on a 60 000 lignes de code qui sont purement dédiées aux tests. Ça nous fait plus de 11 000 tests aujourd'hui. 12 000 tests, ça y est, ça va très très vite. Tout ça, c'est sur un seul repository qui fait un peu plus de 300 mégas. Je pense qu'on est même encore bien au-dessus. Les chiffres sont peut-être pas tout à fait à jour. Tout ça pour environ plus de 50 devs. On fait à peu près plus de 30 pull requests mergés par jour. Ça correspond environ à 180 builds par jour. On vous expliquera ce qu'il y a dans un build et qu'est-ce qu'on fait avec ces builds. Plus de 90 contributeurs aujourd'hui, probablement plus de 100 si on regarde les dernières stats. 106 exactement, je les vois dans la petite image. Et c'est plus de 50 000 commits aujourd'hui sur ce projet. Au niveau des outils, on utilise du GitHub principalement, Jenkins, SteamCity, Heroku CI, Argos, Phrasap. On va vous présenter un petit peu les plus importants et ceux qui ressentent le plus, en gros, notre Git workflow. Et avec tout ça, on fait un rollout minimum par jour. Une mise en production par jour, tous les jours. La dernière fois qu'on a fait ce talk, on avait fait le rollout en live pendant le talk, mais là, comme on est un peu short en temps, on va hélas pas pouvoir le faire. Très rapidement, une big picture de comment ça se passe quand on développe. On a deux principales branches, production, master. On travaille principalement sur la master dans un premier temps. Quand on va développer une user story, on va tirer une branche à partir de la branche master. On va y faire notre feature, donc toute notre user story, ce qui va être concentré dedans. On va pousser une pull request. Là-dedans, on va mettre au fur et à mesure tout ce qu'on a à faire. On va faire nos reviews, etc. d'un point de vue développeur. Ça va déclencher des builds à chaque nouveau commit. Des builds et tous les tests. Quand j'ai des tests, c'est les 12 000 tests qui vont être exécutés à chaque nouveau commit qu'on va pousser sur le repo. Une fois que tout ça c'est vert, qu'on est content, que ça a été review, on va pouvoir le merger. Généralement quand c'est vert. On va pouvoir merger ça sur master. Sur master, ce qui va se passer, c'est qu'on va de nouveaux builds, on va build des images Docker. Bertrand vous en parlera un peu mieux que moi. On va déployer sur notre environnement de staging validation. Et on va aussi faire un peu de tout ce qui est localisation, internationalisation avec une application qui s'appelle Phrasap. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça permet en gros de pousser les localisations. On va les récupérer ensuite à un autre moment. Quel moment on les récupère? Au moment du release train. Donc c'est notre chouchou qui tourne tous les jours à 3h de l'après-midi. Le jour 3h de l'après-midi, on va merger tout ce qui est sur master, tout ce qui a été commit, tout ce qui a été mergé par les développeurs. On va mettre ça sur la branche de production. Tout ça, ça va nous permettre en fait de valider que tout se passe bien, que toutes les features en fait fonctionnent bien ensemble avant qu'on envoie tout ça en production. Et on envoie tout ça en production vers 5-6 heures. Pour s'assurer de tout ce workflow, on a un process qui s'appelle le duty, c'est le duty guy. Le duty guy, il est chargé de s'occuper, en gros, tout se passe bien dans la journée, au niveau à la fois de master, du workflow de développement, de la production, et de s'assurer que tout fonctionne. C'est ce qu'on voit ici, il a ce magnifique dashboard qui lui dit à peu près où est-ce qu'il en est, et qui va lui permettre de suivre un petit peu ce qui se passe. Si master devient rouge, si la production devient rouge, s'il y a eu un souci, ça va lui permettre de monitorer un petit peu tout ça et d'aller voir les différentes équipes quand il se passe quelque chose. Donc effectivement, à chaque fois qu'on veut développer une feature, on crée une branche. Sur cette branche-là, donc GitHub va nous lancer les tests unitaires, qui sont ces deux builds-là. Il va nous tester qu'il arrive à builder l'image Docker pour la prod. Et il va nous lancer un outil qui s'appelle Argos, dont on va parler dans 5 minutes. La partie tests unitaires, actuellement, elle tourne sur Heroku CI. Voilà, donc Heroku CI, c'est un truc qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Comme on a 12 000 tests, que c'est très très long et très coûteux à passer, on parallélise ça sur... 16 nœuds, donc on a 16 nœuds qui vont tourner en parallèle les 12 000 tests, et sur chaque nœud, c'est parallélisé 4 fois. Donc ce qui nous permet d'arriver avec un build time, oula, bah, celui-là était super rapide de 16 minutes, en ce moment c'est plutôt 25-30 minutes, on est en train d'essayer de le descendre parce que c'est beaucoup trop long. Enfin, ça allonge la boucle de feedback, et donc pour les développeurs, c'est beaucoup trop long. Donc voilà pour Heroku CI. Le résultat des tests arrive dans une application un peu custom qu'on a fait, qui s'appelle Test Failure. En gros, on a eu un build qui est là, donc là, ça nous dit qu'il y a eu 10 254 tests qui sont passés, mais qu'il y en a 3 qui se sont plantés. Donc l'ensemble du monitoring des tests arrive dans cette application-là et nous montre ce qui s'est planté. On a dû développer ce truc-là parce qu'il n'y avait rien de natif dans Heroku CI pour afficher les résultats, donc on a dû faire une petite app custom pour faire ça. Yvan qui développe ça est intéressé pour mettre ça open source, donc si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez venir me voir et ça doit être gérable. À côté de ça, on utilise Sentry, on a un gros pain point sur les tests, c'est les flaky, c'est-à-dire les tests qui sont une fois rouges, une fois verts. Donc on utilise un truc qui s'appelle Sentry, qui normalement fait du tracking d'erreurs en prod pour traquer les tests qui sont rouges, puis verts, puis rouges, puis verts. Donc dans Sentry, on va voir que par exemple, là, vous voyez, là, ce test-là, il a commencé à être flaky à partir de...
depuis hier. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'occupe de traquer ce qui s'est passé, enfin les modifs qu'il y a sur ce test-là. Il y a probablement eu un change dans la base de code qui fait que le test il est devenu flaky et un peu pourri. La plupart de nos tests, il y a beaucoup de tests qui sont des tests d'intégration, c'est-à-dire qu'on lance un Chrome et donc on fait des asserts avec Capybara directement. Enfin, c'est des vrais tests d'intégration où on se log sur l'application, on prend des rendez-vous, voilà. Je crois que ça fait à peu près, je sais pas, 700-800, je pense. Peut-être 10% de la base de tests, c'est des tests d'intégration. Comme vous pouvez le deviner, c'est extrêmement coûteux en termes de CPU et de temps à runner. Un autre outil qui est open source et qu'on utilise beaucoup, on a parfois un peu de mal à le stabiliser, c'est un truc qui s'appelle Argos. Donc l'idée d'Argos, c'est de prendre un certain nombre de screenshots pendant les tests, durant la phase de test, et de comparer les screenshots avec les mêmes screenshots sur master. Ce qui nous permet de faire un espèce de visual diff entre ce qu'il y a sur master et ce qu'il y a sur la branche, et de détecter là où on aurait pété des trucs au niveau CSS, des pop-ups qui apparaissent pas, ou ce genre de choses. Donc là, vous voyez la partie master, ça c'est la branche, et là, c'est le diff en rouge, c'est le diff qui a changé. Donc là, vous voyez qu'il y a eu un petit décalage de tous les éléments. Donc à la fin de chaque build, Argos nous fournit la liste des diffs de tous les écrans qui ont changé, et comme ça le développeur il peut faire une inspection rapide de toutes les diffs visuelles pour voir si c'est quelque chose qui est attendu ou non. C'est super utilisé par tous les devs front et ça nous a sauvé la vie pas mal de fois. Master, quand la PR elle est mergée sur master, on fait un peu plus de choses, c'est-à-dire qu'on fait toute la partie build pour la production. Donc là on va donc là les slides sont un peu out of date, on a tout migré sur Docker il y a même pas un mois, donc maintenant la seule chose qu'on fait c'est qu'on build une image de prod pour Docker. On fait aussi tout ce qui est translation, mais bon c'est un autre problème, et donc on fait le déploiement sur staging et sur storybook. Donc quand vous poussez quelque chose sur master, vous pouvez vous attendre à avoir la version, enfin votre feature déployée sur staging entre 15 et 20 minutes plus tard, le temps de faire tout ça et de faire le rollout. Vous avez parlé tout à l'heure de notre chouchou, notre Illustrain. Grosso modo, ce qu'il fait aujourd'hui, plus ou moins, c'est très simple. Il va vraiment merger la branche master dans production directement. Il va récupérer également tout ce qui est au niveau traduction. Donc en gros, je vous ai montré tout à l'heure, quand on pousse sur master, on envoie toutes les clés de traduction qu'on n'a pas encore dans l'application qui s'appelle PhraseApp. En gros, le chouchou, au-delà de merger, il va également aller récupérer toutes les clés de traduction, les réinclure dans l'application, ce qui nous permet aujourd'hui de faire la traduction en allemand, en anglais, et évidemment aussi en français. On vous a beaucoup parlé d'automatisation, mais on a aussi quand même beaucoup de boards physiques et on gère les choses aussi un peu manuellement. On a nos boards physiques, là c'est le vrai board physique de l'équipe Hospital, avec l'ensemble de nos tickets, et on a surtout notamment un code pour le fameux duty guy qui va se charger de passer dans chacune des équipes et regarder le board de chacun pour savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a validé toutes les fonctionnalités qui ont été mergées. Parce qu'une fois qu'elles ont été mergées, c'est bien beau, mais il faut quand même les faire valider par notre PO. Donc généralement, on va les flaguer, on a pour ça plusieurs éléments. On a le premier qui est en gros, la validation est en cours. Alors, on ne le voit pas très bien, mais il y a écrit bloc, mise en production ici. Ça veut dire en gros, duty quand il va passer, qu'il va vouloir vérifier s'il peut mettre en prod. S'il voit ça, c'est-à-dire attention, mais pas en prod, on n'a pas encore validé la fonctionnalité qui a été mergée. À l'inverse, on a aussi un merge after 3 PM, donc merge after chouchou. En gros, cette partie-là est partie après que chouchou soit passé. On est sans souci, on peut merger ce soir. On peut mettre en prod ce soir. Et enfin, le OKMAP, c'est bon, c'est validé, on peut mettre en production. Il n'y a pas de souci. Finalement, le duty, avant de faire sa map, il va passer dans toutes les équipes, il va regarder un peu les boards, il va discuter avec les PO pour savoir si tout est validé. Et si tout est OK, il va pouvoir dire... qu'on y va. Concrètement, comment ça se passe? Une fois qu'il a décidé de faire la map, il va sur un petit outil qu'on a en production et il fait deploy. Le process après est entièrement automatisé, ça prend entre 15 et 20 minutes. Il n'a pas grand chose à faire. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il monitor l'outil Sentry, donc il remonte toutes les erreurs de la prod pour vérifier qu'il n'y a pas un gros pic de Sentry au moment du déploiement. Et en général, il est juste à côté des DevOps qui, eux, checkent que les graph systems ne partent pas complètement en vrille lors du déploiement. Mais c'est une opération qui, 99% du temps, est relativement smooth. Alors, ça arrive que derrière, on se rende compte qu'il y a des problèmes fonctionnels. Ça arrive, je sais pas, une fois par semaine. Et donc à ce moment-là, en général, on n'est pas trop pour faire du rollback, même si on en a fait un premier la semaine dernière. On est plutôt en mode fixe, c'est-à-dire qu'il y a un fixe qui est fait sur master, qui est cherry-piqué sur production, et on refait passer le déploiement pour aller jusqu'en production.
Actuellement, on est plutôt dans une philosophie no policy, c'est-à-dire qu'il y a très peu de blocage au niveau de l'outillage. N'importe qui peut pusher sur master. Vous pouvez même pusher si la CIA a dit que votre code il est rouge. Enfin, il n'y a pas de blocage là-dessus. Et il n'y a pas de notion de code honneur pour vous interdire de committer un endroit dans le repo. Vous pouvez y aller, c'est open bar. Je ne vous cache pas que ça commence à être un peu compliqué avec l'échelle et donc on commence à se poser des questions autour de ces sujets-là, mais on est pour l'instant très attaché au fait qu'il n'y ait aucune policy. Les pain points qu'on a, le premier, c'est les flaky tests. Donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça reste quand même extrêmement painful. Pour vous donner une idée, master, il faut qu'il soit les builds sur master, notre objectif c'est de les garder verts à 85% du temps. C'est-à-dire qu'on a encore 15% de fail sur master à cause de raisons diverses et variées, et la principale raison de fail, c'est les flaky. On a des gros travaux en cours sur le sujet, mais ça reste compliqué. Les autres problèmes, c'est donc la CI qui plante pour des raisons X, Y ou Z, qui est trop lente et qui donc ralentit la boucle de feedback. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête là, parce que sinon on va se faire engueuler. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Déjà merci, ça décomplexe pas mal de choses. Et j'avais juste une question sur la flaky test, je n'ai pas compris ce que c'était. Imaginez que vous avez un test qui va tester qu'une pop-up apparaît. En général, pour que le test y passe, il faut mettre sleep une demi-seconde. Si à ce moment-là la CI elle est plus lente, le test y passe rouge. Donc ça, c'est le cas simple. Le cas compliqué, c'est vous allez chercher des données dans la base de données. Il n'y a pas de order by. Donc selon l'état dans lequel est la base de données, ça va vous changer l'ordre. Donc ça va changer l'affichage. Enfin, des causes de flaky, il y en a plein. Et autre question de curiosité, pourquoi attendre 6 heures pour les mises en prod? Alors actuellement, l'heure du rollout, c'est un trade-off entre plusieurs facteurs. 5-6 heures, c'est le moment où il y a moins de trafic sur le site et les devs sont encore là pour corriger s'il y a un problème. Donc c'est un trade-off entre les deux, quoi. Donc il faut que le trafic du site il est déjà descendu pour diminuer le risque, mais il faut qu'il y ait encore des gens dans le bâtiment pour pouvoir corriger si ça plante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ça à cette heure-là, c'est vraiment un trade-off entre les deux. Pourquoi ne pas rollback quand tu as un problème après un déploiement? Et pourquoi tu as rollback quand même la semaine dernière? Alors pour la deuxième question, pourquoi est-ce qu'on a rollback la semaine dernière? Parce qu'en fait on savait pas trop d'où venait le problème et qu'en fait le problème, donc on a fait le déploiement comme d'habitude vers 5-6 heures et le problème il a été détecté le lendemain matin quand les cabinets ils ont ouvert en Allemagne où ils ont commencé à appeler le support client, ils ont dit ça merdoit dans tous les sens. Il n'y avait pas forcément les gens pour savoir qu'est-ce qu'il fallait corriger, les sachants n'étaient pas sereins sur qu'est-ce qu'il fallait reverter ou fixer. Dans le déploiement de la veille, il n'y avait pas eu de migration de base de données, donc c'était relativement safe à rollback, donc on a rollback. Il était tôt, plus, il était 8h30. Voilà, donc il était très tôt le matin, les gens dormaient encore, donc c'était un peu moisi. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a rollbacké. En général, quand il y a un problème, le problème il se voit instantanément sur le monitoring. On sait à peu près d'où vient le problème et on sait le circoncire facilement, c'est-à-dire en général, on fait un revert sur la pull request qui pose problème et on repousse en prod. Pour éviter de perdre toutes les autres pull requests qui ont été mergées. Il y a un mécanisme chouchou manuel pour mettre en prod C'est pas chouchou manuel en fait, c'est git revert, git pushmaster, git merge, git cherry pick du revert sur production et puis voilà. Donc oui, et pour tout vous dire, oui, actuellement, oui, c'est complètement manuel. C'est pas top d'ailleurs. J'ai un truc qui m'a un peu choqué, c'est que vous n'avez pas eu de vrai fossé, en fait vous ne testez pas les features blanches, vous testez directement sur ce qui va aller en prod dans 2 heures. Oui. Oui. Alors donc c'est un débat sans fin et compliqué sur lequel il n'y a pas de bonne réponse. Si vous spawnez, techniquement on pourrait spawner un environnement par feature branch pour tester sur la feature branch, mais vous avez une chance sur deux de rater des problèmes liés au merge derrière et donc ça marche pas derrière. Là actuellement, donc oui, là en fait on valide sur master et master peut être en avance sur ce qu'on a mergé sur production. Empiriquement ça marche pas trop mal, mais effectivement c'est un peu choquant, mais empiriquement ça marche pas trop mal. Mais le fait de faire, moi je pense qu'on aurait plus de problèmes si on testait sur les feature branches directement sur les branches du au merge.
Donc je pense que la solution qu'on a actuellement, elle est meilleure, même si effectivement elle peut paraître un peu contre-intuitive. C'est plus le temps de rétention de la fonctionnalité sur un environnement de test pour avoir le temps de voir des choses qui merdent de les voir apparaître. Si on voit une chose, on voit un problème, enfin, ça arrive. Le sujet, c'est plus qu'en fait, c'est le syndrome, ça marche sur ma machine, quoi. Si le PO, il valide sur... Le feature branch versus master, ce qui me choque, c'est le fait que le truc émergeait et potentiellement 2 heures après, il est en prod, alors en fait, il n'a pas été complètement testé. Alors, normalement, ça n'arrive pas, puisque même s'il émergeait à 14h59, le PO, il est supposé bloquer la map le temps qu'il n'a pas validé sur master. C'est vraiment le rôle du duty guy, c'est-à-dire qu'il vient sur le board et on voit ce qui a été validé, pas validé. Une fonctionnalité qui n'a pas été validée, ça bloque la mise en production. On ne voit pas en production un truc qui n'a pas été validé par un product owner. Il valide en 1 heure, 2 heures pour les fonctionnalités. Ouais, bien sûr. On a des heures stories qui sont suffisamment petites et suffisamment sizées de façon atomique pour qu'elles soient facilement resettables. C'est le principe même. On écrit les user stories avec le PO, avec l'engineering manager et avec les développeurs. C'est pour assurer aussi qu'on puisse faire des user stories très rapides et qu'on puisse les valider en moins d'une heure. C'est le principe même en fait de notre découpage. Le but, c'est pour ça qu'on met en prod aussi tous les jours, ça nous permet en prod des fonctionnalités assez fines et des user stories assez fines qu'on découpe au plus petit. Si une branche, elle vit de plus d'une semaine, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Une semaine pour une branche, c'est déjà trop. Vous choisissez votre duty guy. Actuellement, donc il y a un repo dans lequel il y a un tableau et ça fait plus un et ça prend le suivant. Enfin, c'est vraiment un truc à la con et ça passe chacun et c'est complètement cyclique. Et donc là, on est duty, une fois tous les 20 jours, une fois par mois peut-être. Plus. En 50 dev maintenant, on est duty à peu près une fois tous les 1 mois et demi. Pour vous dire là-dessus, pourquoi est-ce que le duty, c'est pas le même sur une semaine pour avoir un peu de cohérence et... le fait qu'il change tous les jours, il doit se réapproprier toutes les stories. J'imagine que tu aimerais bien que c'est comme ça, du coup ça fait partager la connaissance. Non. Le duty ne s'approprie absolument pas les user stories. Le duty va voir les équipes ou le PO et lui demande go no go. Point. Voilà, donc les objectifs du duty, ils sont multiples. Les deux principaux, c'est l'ownership, parce que quand même, forcer les gars à déployer en production, ça leur donne un certain pouvoir, et donc ça les permet de monter en compétences. Le deuxième, c'est le partage de connaissances, mais c'est pas vraiment le rollout qui fait ça, c'est dans tout le duty, vous avez vu, il y avait d'autres choses, il y avait perf, erreur, machin, tout ça, donc le duty s'occupe d'un certain nombre de choses. Et le troisième objectif, c'est de protéger les autres développeurs, parce que c'est lui qui est supposé être le point de contact quand il y a un problème. Donc il est supposé avoir un rôle de filtre vis-à-vis de tous les autres devs. Donc vraiment, le duty, c'est ces trois objectifs-là. Voilà. Et non, le duty n'a pas la moindre idée de ce qu'il met en prod, non. Et s'il faut faire ça plus d'un jour par semaine, c'est beaucoup trop et c'est très chiant. Actuellement, quand on est duty, il faut compter au moins la moitié de la journée à faire que ça. C'est pas quelque chose qu'on veut faire pendant une semaine, quoi.